très mauvaise nous permet de voir le danger qui est à nos portes. C'est ça le vrai problème. Je pense que, et pour conclure, qu'en agissant de la sorte, on met en insécurité l'économie du pays. Parce que les hommes d'affaires vont avoir peur. Je l'ai dit lorsque j'abordais le titre sur le dossier de la Sonacop ici. La vraie corruption, c'est la corruption de l'administration. J'avais dit concernant le dossier Sonacop que la convention a été signée par Albert Ebouedjré, par Abdoulaye Diochané, par Marie-Élise Bédot. Ce n'étaient pas des bêtes, ces personnes. Si ces personnes ont pu signer la convention de la Sonacop, il faut les interroger nécessairement. Parce que moi, je veux savoir si oui ou non, l'agent de la Sonacop a servi à acheter la Sonacop pour être édifié. Si des ministres de la République ont pu signer ces contrats avec Issa Salifou, je veux savoir pourquoi ils l'ont fait. J'ai tenu récemment un brillant congrès pour mon parti et nous avons dit ceci. Il ne faut pas que le politique soit jaloux des hommes d'affaires. Car Dieu n'a jamais condamné celui qui gagne par la raison et par l'intelligence. Les hommes politiques ne doivent pas être jaloux des hommes d'affaires. Nous devons protéger les hommes d'affaires, combattre la corruption à leur niveau, mais détruire la corruption de l'administration qui est pernicieuse. Le comportement et les propos que l'entourage du chef de l'État amène le chef de l'État à adopter ne sécurisent ni l'économie, ni les investissements étrangers, ni la démocratie. Chers collègues, Monsieur le Président, si la démocratie et le changement étaient en conflit, j'abandonnerai le changement, je soutiendrai la démocratie. La démocratie a permis de produire le changement, mais tel que le changement est mené, nous devons nous lever rapidement pour séparer le religieux du politique, le politique des affaires, et que toutes les procédures de persécution du citoyen soient bannies, abolies, et que les poursuites soient organisées par la loi, par les règles de l'État. On ne peut pas arrêter simplement du simple fait qu'on est chef d'État. Ça ne peut pas se passer. On ne peut pas rédiger des communiqués de ce genre. On ne peut pas dire béninoise et béninois pour entendre des futilités de ce genre à 1 h du matin. Parce qu'il s'agit de futilité. Et sauf le respect que j'ai pour le chef de l'État, certains conseillers friands de ces inepties sont dans la salle. S'ils continuent d'appeler le nom des députés et des hommes d'affaires, nous allons appeler leur nom et les livrer aussi à la population, puisqu'on les connaît. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous entendre, de travailler plus, d'être unis. Nous n'avons pas besoin, et quand Dieu donne une nation à quelqu'un, Dieu ne veut pas que cette personne terrorise les fils de cette nation. Autant Dieu élève, mais autant Dieu peut faire aussi descendre. La Bible regorge des exemples de ce genre. Pour ma part et pour finir, je dis que j'ai été plusieurs fois menacé. J'ai été menacé dans tous les sens. Des rapports ont été demandés sur ma personne. J'ai dit au ministre des Finances, quand j'ai discuté avec lui, que je sais ce que refuser de faire, ce que le chef de l'État avait dit, je sais. Mais je l'ai fait au nom de la démocratie. Et je suis prêt à tout. Monsieur Issa Salifou, si vous êtes corrompu, je vous combattrai. Je ne vous soutiendrai pas. Mais si c'est pour les 7 dettes et pour cette lettre, vous avez mon soutien total, sans condition. Si quelque chose vous arrivait, 24 heures sur 24, appelez-moi. Nous devons mettre fin à ça. Vous devez être fiers de vous-même. Parce que vous avez empêché le chef de l'État et son équipe de falsifier les résultats des élections, de frauder, de torpiller la Sénat. Vous l'avez refusé, je vous félicite. Quant au reste des affaires, nous nous rencontrerons ailleurs. Mais je dis aux corisants, à la corisation imbécile de la classe politique, qu'elle ne se fera pas. Je vous remercie, Monsieur le Président.